Salut petits amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de match sur Dissidia 2DZ. Mais alors aujourd'hui, encore des Honkai Impact Third, mais le peu de mode qu'on a sur Honkai Impact Third, je vous jure les gars, c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui, Raiden Mei en Striker Fulminata, donc c'est le nom de sa tenue, vraiment ce mode, magnifique, vraiment magnifique. Je tiens encore une fois à dire que il n'y a pas de cel shading dans Dissidia 2DZ. Là pour le coup, le rendu est excellent, voilà. Je vais zoomer, regardez-moi ça, les gars. C'est un truc de dingue. On se croirait pas sur Dissidia. Je suis désolé, on se croirait pas sur Dissidia. Et là, tu as ce modèle qui est vraiment incroyable. Vraiment, je tiens à le dire, je n'ai rien à redire par rapport à tout ça. Regardez, les cheveux sont très géniaux. La tenue, excellente. L'épée aussi. Vraiment, c'est génial. Donc c'est un mode de Lightning, voilà. Vous aurez reconnu peut-être un petit peu la petite pause et tout. Je veux tester ça tout de suite. Tu sais quoi? Je n'ai rien à redire par rapport à tout ça. C'est génial. C'est vraiment génial parce que... Encore, tu vois, il y a des modes auxquels tu portes juste le modèle, voilà, tu as quelque chose de concrètement bien, voilà, sans plus ni rien du tout, au niveau du rendu. Là, vraiment, les gars, on est sur un rendu, mais excellent, vraiment excellent. Le cel shading, comment il était travaillé et tout, mais c'est incroyable. Enfin, honnêtement, c'est mon avis. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment le cel shading. C'est un truc de pur psychopathe, je trouve. Enfin bon, c'est mon avis encore une fois, mais regardez-moi ça. Même les yeux, ils ont du mouvement et tout. C'est vivant, c'est beau, c'est génial. En plus, l'épée, elle se synchronise très bien avec le personnage et tout. Enfin voilà. Moi, le style de combat, bon, j'ai pas joué à Honkai Impact Third, donc je pourrais pas faire de comparaison. Voilà, pour être honnête. Mais moi, je trouve vraiment que ça correspond très bien au personnage. Au niveau de la voix aussi, c'est vraiment cool. Vraiment, tout est excellent. Vraiment, c'est un truc de dingue. Et vraiment tout, allez, je vais dire tout le mode Honkai Impact Third que j'ai testé sur Dissidia. Mais le rendu est vraiment excellent, à chaque fois. Soit graphiquement, que ce soit pour le personnage en soi. Le personnage modé, je veux dire, pour correspondre au mouvement et tout. Ça rend vraiment bien. Non, vraiment, j'adore. J'adore énormément. Il y a un certain charme avec le petit rendu cel shading et tout, voilà, encore une fois. Donc vraiment, c'est excellent. Et bon, au niveau de l'avatar aussi, on voit que bon. C'est classique mais efficace, hein, j'ai envie de dire ça aussi. Mais voilà, ouais, c'est vachement sympa, c'est excellent. Hop, voilà. Ouf, il doit faire super, super mal au petit Kane, le pauvre. Oh, j'aurais pu lui assigner un meilleur combo, je pense. Quand même. Non, vraiment. Je suis étonné qu'après autant d'années, on produit toujours des modes de qualité et tout, alors que le forum Dissidia est mort hein, depuis un long moment. Malheureusement. Donc j'essaye de produire quelque chose de concrètement bon, hein, en faisant des showcases et tout. Parce que les créateurs créent encore de nos jours, hein, tout simplement en tant que mode de qualité. Et ça me fait vachement plaisir, vous vous doutez bien de tout ça. Hop. Ah, j'ai cru qu'elle est tombée sur l'épée. Ah bah tiens, j'aurais cru ça. J'aurais bien cru. Hop. Voilà. Bah écoutez, je vais vous refaire le même gameplay, mais en nos commentaires bien entendu encore une fois. Et on se retrouve tout de suite pour le bilan. Ah là, c'est limite. J'ai l'impression que ça fait tâche, parce que ça correspond tellement pas au décor, c'est un truc de dingue, bref. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, petits amis, je vous retrouve tout de suite. Et bah, je vous dis tout simplement, à tout de suite.
Et voilà, c'est sur ce magnifique finish qu'on va terminer cette vidéo. Vraiment excellent ce mode. Mais c'est surtout, tu vois, graphiquement que j'adore. Mais vraiment au niveau du gameplay et tout, on s'y retrouve. C'est vraiment très plaisant à jouer. Voilà. Franchement, il n'y a même pas de commentaires à faire limite. Tellement c'est plaisant, tellement c'est génial. Ça fait du bien, le mode de qualité de la sorte. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, petits amis, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo d'Essidia. On se retrouve la prochaine fois pour de futures vidéos. C'était Tapan. A bientôt tout le monde, les petits amis. Ciao, bye bye, les gars.